Do you ever wonder what Snoopy dreams about, Charlie Brown? Oh, I don't know. Sometimes he dreams he's a famous writer, or sometimes a tennis pro. I'm never really sure what Snoopy is dreaming. Right now, I'm pretty sure he's a World War I flying ace. Et c'est à tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Snoopy contre le Baron Rouge. Oui, ça va paraître très bizarre qu'on joue à ça actuellement, mais c'est un jeu sur lequel je suis tombé par hasard en cherchant quelque chose qui avait en soi un petit peu quelque chose à voir, mais pas tant que ça, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et je me suis dit à la base, ben on va faire ça, parce que je me suis dit ça a l'air trop mignon. Alors, je vous ai spoilé. Tant pis. On va créer un nouveau profil. Donc on va mettre notre pseudo pour commencer. Alors je précise d'avance que c'est un jeu pour les enfants, donc je vais quand même garder ma liberté de parole, mais je vais évidemment faire attention à mon langage qui sera moins châtié que d'habitude. Nous avons 4 modes de jeu, dont le mode option comme d'habitude qui est vraiment le meilleur des modes. Grandeur, jouer qu'à ça, essentiellement. Donc il propose de contrôler l'audio et la vidéo. On a un mode widescreen, donc écran large, qu'on va pas utiliser ici, puisque vous savez tous, les vidéos sont en 4 tiers. Nous n'avons pas évolué sur la chaîne depuis des années, c'est incroyable. La musique, on va la laisser comme ça, c'est fixe, la voix on va la laisser comme ça. Je pense que le son du jeu est ok. Peut-être un peu baisser la SFX. On va laisser les voix au maximum. Et chose assez étonnante, on a un réglage pour activer le mode progressif, qui est normalement plus joli. Donc nous allons faire oui. Voilà, donc si l'écran le permet bien sûr. Et vous allez voir que bah, ça l'a permis, et normalement c'est un petit peu plus net. Du mieux normalement. Mais voilà, donc on peut faire ce changement, on peut changer le profil, faire une sauvegarde automatique. Les options de contrôle que nous avons ici. Donc là on est en configuration arcade apparemment. On peut carrément... Ah oui, on a le mode simulation ou arcade, ok. Alors on va laisser le mode arcade honnêtement, parce que le mode simulation au niveau des touches, ça a pas l'air fou. Quand je vois que c'est carré pour rouler à gauche et R et rond pour rouler à droite, quand on a trop l'habitude des S-combats, vous allez comprendre, ça va être une galère. Donc on va dans le mode arcade. Les vibrations activées, alert play on va laisser, alert boss, alert woodstock, je sais pas ce que c'est. Donc on va faire annuler puisqu'on va conserver les réglages par défaut du jeu. On a un mode dogfight et un mode campagne, on va faire le mode campagne directement. Hello Snoopy, welcome to your first training session. Before we go any further, let's go to Florence. Try steering your doghouse. Snoopy, the training area is limited to the baseball diamond and the playground. You can change the way you are playing control if they fail backwards. Open the pause menu. Select options and change invert to on or off. Ok, donc on peut inverser les commandes, ce qui fait que si on va vers le haut, ça va vers le haut, si on va vers le bas, ça va vers le bas, et par défaut, dans n'importe quel jeu d'avion, quand on va vers le bas, ça monte, et inversement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va le laisser comme ça. Health can be restored by drinking a root beer. Root beer can be found when shooting an enemy or destroying a treasure box. Donc on a de la vie, on a une jauge bleue, qui est une jauge de boost, vous allez voir après. Alors on va dans le flight cool. Je vais juste, je vais pas aller tout de suite. Voilà. Donc là on conduit une, on pilote une. Ça niche complètement, ce qui est totalement bizarre. Donc on a la barre de vie en bas à gauche,
Et en bas à gauche, toujours au même endroit en bleu, on a la barre de boost qu'on ne va pas utiliser tout de suite dans le tuto. Il faut avancer un petit peu pour que tout soit disponible. Vous allez voir, il va nous expliquer un peu tout. Déjà, ce que je trouve super mignon, c'est la voix du gamin qui fait le tutoriel. Franchement, c'est super cute. On va aller directement du coup à l'école de pilotage. École de vol, on va parler comme vous voulez. You can visit here later for more advanced training. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'y aller. On va pas y aller d'ailleurs. Et là, on va aller suivre le radar pour aller chercher une sorte de store où on peut améliorer les choses, allez voir. Il y a pas mal de choses dans le jeu qui ont été intégrées, ce qui est plutôt intéressant. On va aller chez Pigpen's Shop, qui vend des popcorn et des peanuts. Welcome to Pigpen's Shop. Pigpen is not here right now, but I can help you with your first purchase. Later, you will be able to purchase weapons, upgrades, and characters using balloons and letters collected within your campaign. You have the choice of a plane. Purchase the Southwest Camel to advance. Donc, on va pouvoir acheter notre premier avion. Et ce que je trouve assez drôle d'ailleurs, c'est le cochon qu'on a en haut avec zéro. C'est assez mignon. A precision flying machine. Specifically constructed for the World War I flying ace. This is the airplane you will use to hunt down the Red Baron. Donc voilà, un autre avion. Have fun and remember to come back to my flight school for more training. Donc on va faire l'entraînement, on va pas le faire, on a réussi la première mission. Nous on va directement faire la campagne. En entière, bien sûr, vous allez voir, c'est assez long, mine de rien. Enfin, je n'ai pas fini le jeu, loin de là. Hein. J'ai fait que le début du jeu pour voir un peu si tout était OK. Donc là, on pilote vraiment l'avion que l'on va voir au début. Donc, comme je disais, on a plusieurs touches. Donc là, je touche que la gâchette hein, pour avancer, tourner. Donc c'est vraiment facile. Hein. Je vais à gauche, ça va à gauche. Je vais à droite, ça va à droite. C'est un peu comme le mode arcade. Je vais beaucoup comparer à ce combat. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, évidemment. À part le fait que là, on est dans la Première Guerre mondiale. On a donc les directionnels pour tourner, hein, donc on s'embête pas. L'autre gâchette, elle permet juste de. Regardez, je peux tourner un peu légèrement, mais ça ne sert à rien. Oui, je peux faire un mouvement de balancier, mais je peux pas faire un tonneau entier, ça c'est dommage. Par contre, j'ai l'impression que ça nous permet. Je me demande si ça ne nous permet pas de tourner un peu plus vite, le fait de faire les deux en même temps. Peut-être un petit peu. Donc, je peux pas changer la vue. Alors je peux utiliser aussi la croix au passage, mais je trouve que la gâchette et enfin, les analogiques sont un peu mieux. Si on fait carré, on utilise les missiles, et vous pouvez voir qu'on a le nombre de missiles qui est visible sur le haut de l'avion. Donc on peut voir qu'on en a 2 x 4, 8. Et ça c'est vraiment bien fait parce que on sait exactement le nombre de missiles qui nous reste visuellement. Alors que par exemple, dans d'autres jeux, on tire en boucle et on a juste le compteur qui s'affiche pour nous donner le nombre. Alors là aussi en bas à gauche, on voit que le 7 ici. Mais voilà, on n'est pas obligé forcément de fixer l'œil en bas à gauche, on peut rester sur l'avion et voir s'il nous en reste ou pas. Donc, carré pour utiliser. Donc, il y a un autolock quand on est sur un ennemi. Je vous raconte un peu ça tout de suite maintenant, parce qu'une fois qu'on sera en mission, ça sera un peu plus compliqué, un peu plus brouillon, parce qu'il se passe beaucoup de choses, vous allez voir. Ensuite, donc là, si je vais récupérer l'item, on va avoir d'autres types de bombes. Donc là, par exemple, si j'utilise là, c'est un missile autoguidé que je peux diriger. C'est juste, voilà, je peux le faire se planter où il veut. Donc ça, c'est pas mal aussi. On peut diriger le missile. On a R1 pour accélérer un peu plus vite. Et vous voyez que la barre bleue en bas, elle a tendance à se réduire et se recharge automatiquement. Donc on n'a pas besoin d'utiliser d'items pour ça. Et on peut aussi, à l'inverse, complètement se mettre en stationnaire. Regardez, là je suis quasiment... Alors j'avance toujours un petit peu, hein, mais je suis quasiment à l'arrêt. Et du coup, ça me permet de prendre mon temps pour viser et tout. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. On va aller voir le Pigpen Shop pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de choses. Regardez, on peut avoir des armes secondaires comme le lanceur de ballon. On a une sorte de d'abeille, de guêpe. Je sais pas ce que c'est. Je pense que ça, c'est les missiles que l'on peut contrôler. On a les bombes patates. On a, alors on voit pas, on a le boomerang qui n'est pas encore disponible. On a, je sais pas ce que c'est. Là, on a des candles. Les candles, normalement, c'est les bougies. On a snowblower, je sais pas ce que c'est, et on a des citrouilles.
Ici, on peut voir que l'on a des avions que l'on peut débloquer. Ça coûte 1000, hein. Ça coûte cher. Vous allez voir, la monnaie, c'est quand même compliqué à avoir. Enfin, il y en a, mais ça va très lentement. Et on peut avoir différents avions. Dans l'avion de Woodstock est tout petit. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts, ça c'est sympa. Et vous allez voir qu'on va débloquer dans le jeu des lettres, dans l'émission. Et chaque lettre va débloquer un bout de l'avion. Vous allez voir après. On a les upgrades, direct, par exemple le nombre de vies que l'on peut avoir dans l'avion. Stun, je sais plus ce que c'est. Une machine gun si on veut avoir une arme puissante. Et voilà pour le moment ce que l'on peut avoir. On va faire back. Et on va se rendre au lieu de la première mission. Alors les chargements sont... Ouais, sont corrects. Ils sont animés. Ils sont pas ultra rapides, ils sont pas ultra longs. C'est dans la norme. Allez, on va aller le plus vite possible. Vous voyez, c'est très lent, mais ça va être beaucoup plus rapide quand on sera dans la première mission. Donc on va aller à l'île de l'aérodrome. Je ne sais pas si ce sera la seule map du jeu, mais ce qui s'est passé quand j'ai commencé à jouer la première fois, c'est que sur les deux premières missions, bah, on était sur les mêmes missions. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait. J'ai deux missions ouvertes. Oh le dieu. Bon, on va faire la toute première. Et bien, on va accepter la première mission. What are you reading, Linus? Snoopy wanted me to proofread his latest manuscript. Oh, good grief. It's a pretty thrilling adventure, Charlie Brown. You should read it. Chapter 1, Aerodrome Island. A lone figure swept the floor at the Allies' Hangar Bay. I can't believe in this story Snoopy made me the janitor. Donc là, il explique que dans l'histoire qu'est en train de lire Snoopy, enfin que son chien a écrit, lui, son rôle, c'est juste de balayer. Enfin, on va résumer ça comme ça. Nous sommes attaqués. Donc là, il va falloir détruire tous les ennemis que l'on a. Donc c'est parti! On va du coup se rendre directement sur les avions. On va tirer dessus à la mitrailleuse, puisqu'on a vu qu'on avait du coup une mitrailleuse. Voilà, là je vais casser. Oula, ça c'est un missile à tête chasseuse, du coup boum. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Parce que là je peux tirer directement sur les cibles. Je vais mettre au ralenti, comme ça je vais pouvoir les viser directement. Voilà. Et oui, j'ai choisi cette arme au début de la partie, mais si j'avais choisi dans le jardin un autre type d'arme, eh bien on aurait commencé la partie avec ce type d'arme justement. Ah là, on a raté complètement. Du coup, on va essayer de les viser. Prendre ça pas très loin, ça c'est un petit peu dommage. On va essayer de récupérer les ballons. Il y a plusieurs missions dans les plusieurs choses à faire dans les missions. Là, un peu annexe, hein, les annexes sont pas obligatoires. Typiquement, là par exemple, je te casse tous les ballons, je perce tous les ballons, mais je suis pas obligé de le faire, hein, ça m'apportera pas. Ça peut m'apporter des bonus, mais si je ne les réussis pas à tous les casser, il va rien m'arriver de plus complètement. C'est pas trop trop grave. Boum. Alors je vais essayer quand même de récupérer tous les ballons. Parce que là je suis à combien? Si on fait start, on peut voir voilà, 8 sur 10 en bas, j'ai aucune lettre pour le moment, et j'ai 5 cochons. Alors 5 cochons c'est la monnaie du jeu. Enfin c'est la tirelire quoi. Donc là on a réussi à protéger déjà le premier. Ouais, j'ai raté complètement.
Du coup, je sais pas ce que je vais en faire. Il n'arrivera pas aller jusque là-bas, donc ça sert à rien. Alors, j'ai pas pris de l'arme la plus facile à utiliser, honnêtement. Voilà. Alors, quand je me fais toucher, je prends des dégâts. Vous allez voir que suivant les ennemis que l'on a, c'est pas la même. On a encore un ballon ici. Voilà, on a 10 sur 10. Donc là, c'est bon pour les ballons, on est tranquille. Et là, on a une autre partie de l'invasion. Et on a des sortes de robots qui vont aller détruire les bâtiments. Notamment bah, le phare, ici. Donc on va essayer de les tous les détruire. Donc là, c'est en temps limité. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est le cas. Alors quand je rebondis aussi sur les ennemis, bah évidemment je perds des points de vie. Et là le jeu était là où le jeu est plutôt permissif, c'est que bah, on peut. Il faut vraiment en vouloir pour mourir dans ce jeu, honnêtement. On gagne de la vie quand on casse. Quand on élimine des ennemis, souvent. Donc on recharge notre vie. On a pas mal de vie de base. Et oui, la jauge de vie. On va essayer de casser les bateaux. Voilà, comme ça au moins. On aura moins de problèmes parce que là depuis tout à l'heure ils sont en train de tout casser. Il me reste 4 missiles. Voilà, une mission de plus réussie. On va remonter et on va. On a sauvé. Du coup, ce bâtiment, il y a un autre bâtiment à sauver hein, qui est un peu plus loin. J'essaie de casser un petit peu quelques avions. Alors, j'essaie d'aller un petit peu vite. Il a dit que j'ai pas beaucoup de vie. Du coup, on va vite remonter en haut du bâtiment. Je sais plus où était la vie exactement, mais il me semble que c'est au-dessus. Et les ennemis arrivent quasiment aux boucles, hein. C'est-à-dire que ça sert à rien que je m'acharne forcément sur tous les ennemis parce que bah, ils vont revenir à chaque fois. Et c'est assez permissif aussi au niveau de l'hitbox, c'est-à-dire que par exemple, vous allez voir, je tire dessus, et il clignote quand il se fait toucher, mais des fois, il se fait quand même tout, il clignote quand même alors que je touche pas. Il suffit d'être assez près de l'appareil et ça fonctionne. Bon, dans la logique, je suis censé détruire le dernier là, qui est en train d'attaquer. Donc on va le faire. Je pense qu'en termes de temps, on est vraiment long là. Alors là, on a rencontré du coup le Baron Rouge. Le problème, c'est que là, il nous dit il faut qu'on s'échappe. On n'a pas forcément à aller se battre contre lui. Donc on va récupérer les pièces. Et on va rentrer à la base. On a 86 cochons. Voilà. Et du coup, on va réussir à. Voilà, on devra se retrouver plus tard. Et derrière, il y a quelque chose qui est tombé. Vous avez vu dans le village. Alors, vous avez vu, c'est assez, comment dire, c'est assez enfantin hein, au niveau des graphismes. Les proportions sont un petit peu exagérées dans beaucoup de choses. Typiquement, là, ce qui est tombé par terre, ça fait la tête d'une maison. Ça pas, c'est pas normal. Mais du coup, ici, on a réussi les 3 objectifs. On a réussi, par contre, en 7 minutes 13. On aurait dû le faire en 6 minutes.
Donc vraiment, si j'ai pas pris mon temps, on aurait potentiellement pu réussir. Sans sur son niveau de la vie, donc ça c'est bon. On a réussi à avoir les 10 ballons. Les lettres, on a récolté 0. Malheureusement. Et vie utilisée, 0. Donc on a un rang qui est de colonel, puisqu'on est noté à la fin. Je vous ai pas montré, mais il y a le troisième menu de jeu. Au départ. Je pensais que c'était un menu. Et en fait, non, non, c'est juste pour dire que telle ou telle mission, on a aussi tel rang. Et je crois qu'il y a à peu près 8, oh, enfin plus de 8 missions, un truc comme ça. Donc il n'y en a pas tant que ça. On va changer le type d'arme par contre. Parce que c'est pas mal, mais je préfère quand même celle-là. On a 87, 87 d'argent. On va pas l'utiliser. Ah non, c'est ça que je voulais prendre, voilà, cette arme. On va faire directement la mission numéro 2 qui est un petit peu plus longue, vous allez voir. Donc là, il va falloir retrouver les plans. Justement. Voilà, donc essayez de retrouver les... Enfin, essayez de voir ce que ces papiers sont, voilà, et il faut les ramener à la base. Ils pourraient être importants. Du coup, on va lancer la deuxième mission. Alors, c'est un jeu qui est sorti, donc j'ai dit, en 2006. On va casser les ballons. Donc, à faire. Là, on va juste aller chercher. Donc, on est sur la même map, hein, vous voyez. Alors, par contre, regardez, je m'arrête 30 secondes. La distance d'affichage est plutôt correcte. On a un brouillard de guerre, mais... Enfin, ouais, oui, brouillard de guerre. Mais il n'est pas non plus... Voilà, je vais casser tous les bateaux qui sont là. On va faire ça, les choses un peu dans l'ordre, tant qu'à faire. Voilà. Là, on va casser celui-là. Voilà. Je sais pas si on s'est fait tous les bateaux, mais en tout cas, il reste plus grand monde. Ça, c'est plus... ça fait plaisir. Donc, on va accélérer un peu, parce que là, on fait tirer dessus. Je vais en profiter pour récupérer le ballon au fond, voilà. Donc là, on a... Allez, un moins. Alors bien sûr, il faut faire un petit peu du secondaire des fois. Ça nous permet... Oh là, une énorme bière au-dessus, je sais pas ce que c'est. Donc là, il a pris le parchemin, donc on va le suivre. Il est en train de tourner autour, je sais pas où il est d'ailleurs. Oh, il est là. Du coup... Voilà, on va casser pour l'aider. On va accélérer un peu, voilà. Je pense qu'on passait par en dessous. Regardez, on a un petit tunnel. Ah, dans ce durant. Est-ce que je passais par en dessous? Oui. Et du coup, on a récupéré le ballon. Allez, une bonne chose de faite. Donc là, il est reparti. Alors là, tiens, on s'en est un petit peu sur les graphismes. On n'en a pas trop parlé, enfin, à part un petit peu le style. Style très cartoonesque, enfantin, pas cel shading pour autant. Mais ça ressemble un petit peu du Worms 3D, je trouve, à certains moments. Au niveau de certains décors. Voilà, du coup. Voilà, on l'a détruit. On a été positionné au bon endroit. Et du coup, on a le parchemin qui est là. Parchemin qui est là. On va le récupérer, donc ça, c'est bon. Donc là, on va aller délivrer les plans. Il me reste plus beaucoup de vie. Oui, je disais au niveau des graphismes, regardez les effets de lumière sur l'avion. Alors, je sais qu'on est en fin de vie de la console, puisque la PlayStation 3, on est dans l'année de sortie de la PS3. Mais si vous regardez bien au niveau de l'avion, quand on va tourner un petit peu autour de nous, regardez la réflexion, enfin l'ombrage, pardon, de chaque élément, c'est super bien fait. J'aime bien ce que là, on a la bière qui coule, ça n'a aucun sens. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai intérêt à vite partir, sinon je vais mourir.
Il me reste pas beaucoup de vie. Voilà, tu es là. On a le parchemin, donc ça c'est bien. Voilà, on va récupérer la bière ici, un petit peu de monnaie. Et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller, voilà. Ça en moins, ça fait de la... Ça fait un petit peu d'expérience, un peu d'argent, un peu ce que vous voulez. Ouais, il fait mal, hein. Alors, ce que je voulais faire là-bas, c'est pas ça. Ce que je voulais faire là-bas, c'est détruire celui-là. Voilà, donc là, on en a deux en moins. Et on a encore un bateau qui a pop. Donc ça, c'est bien. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller chercher et voir s'il reste des ballons. Regardez, les ballons, on est à combien? On est à 8. On est à 1 sur 2, on n'a pas eu la lettre encore. Bon, vous voyez la distance où on peut tirer sur les ballons, ça c'est quand même pas mal. Alors je retourne un petit peu, je vais juste vérifier si on n'a rien oublié. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des bateaux, rien du tout, donc on va y aller. On a délivré les plans, ça c'est bien. Ah, donc là on a encore des ennemis qui attaquent. Par contre on n'avait pas été positionné au bon endroit. C'est un peu bête. Alors là j'ai suivi un élément, je sais pas ce que c'est. On a la lettre A qui est présente. On va la récupérer. Bon, pour l'instant, il s'est pas fait attaquer, donc ça va. Alors, ils bougent un peu partout. Je sais même pas où ils sont, les ennemis. On a le, on a évidemment la carte pour nous aider en haut. Pour voir à peu près où sont positionnés. Ah, ils sont là, jusqu'en face. Ok, donc là on va devoir l'escorter. Alors attention, ça va être rapide. On récupère de la vie, heureusement. Des munitions, ce que vous voulez. On récupère plein d'argent, 187, ce qui, je crois qu'il faut 200 minimum pour acheter quelque chose dans le jeu. Et le nombre d'ennemis quand même à abattre, c'est assez énorme. Alors ce qui est sympa, c'est que le maniement, honnêtement, est propre. Hein. Voilà, c'est très arcade, mais ça convient vraiment pour les enfants. Enfin, je trouve qu'honnêtement, ils ont bien dosé la difficulté. Alors je sais pas si le jeu va être intéressant sur la longueur, parce que ça a l'air d'être pour l'instant
On est à la deuxième mission, donc on n'a pas fait grand chose. Mais je pense, enfin, j'espère en tout cas, que le jeu, sur la durée, vaut le coup. Non, du mal. Alors ça, je l'ai pas trop montré, mais si on fait rond, on a aussi la possibilité de faire une sorte de mini looping. Vous allez voir, je vais faire rond. Regardez, hop. Et on se retrouve derrière, façon Tomb Raider. Enfin, Tomb Raider. Je sais pas pourquoi je fais l'amalgame avec Tomb Raider, mais ça ressemble pas mal. Alors, je vais vite aller là-bas parce que vous allez voir, il y a. Voilà, le dernier ballon qu'on a raté. Et là, on est presque arrivé. Voilà, on a réussi. On a réussi à l'escorter. Du coup, normalement, l'émission est terminée. Voilà, mission complete. On a réussi à deuxième mission. On a eu les trois objectifs secondaires. Donc, je pense qu'il y avait les bateaux, les avions, les dirigeables aussi. On a fait 9 minutes 55. On a réussi aussi le temps. On est à 100% de vie. 10 ballons. Une aide collectée. On a fait un perfect. Normalement, on devrait avoir le meilleur grade. Qui est le grade général, regardez. Pas mal, pas mal, pas mal. Oui, donc je disais, c'est un jeu que je trouve plutôt... Alors, approprié aux enfants, le thème. Évidemment, on est sur de la guerre, ce que vous voulez. Mais c'est plutôt enfantin, c'est plutôt bien amené. Le maniement, regardez. Sympa. On est dans le monde de Snoopy. Ils ont fait quand même les choses de manière à le rendre un peu plus mignon, c'est sûr. On va voir, si le jeu a une bonne durée de vie. Ça, c'est ce qui me préoccupe un petit peu. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour un jeu qui paye pas de mine, honnêtement, moi, je m'amuse, hein, franchement. Et pourtant, c'est pas un jeu fait pour moi. C'est un jeu qui est fait pour des enfants. J'ai même presque envie de voir ce que font les nouvelles armes. On a de l'argent, on a 242. On pourra en acheter. Mais vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Si vous voulez voir un petit peu plus, eh ben, il faudra utiliser... Enfin, soit vous lancez le jeu... Soit vous regarderez une autre hein, si vous voulez vraiment vous spoiler, mais je vous laisse de quoi le découvrir par vous-même. En tout cas, c'est un jeu que j'aime, je trouve plutôt pas mal en soi, que je pourrais recommander pour les petits et les grands. Voilà, ça fait très entre tradition et modernité, ça fait limite vendeur d'appartement. Mais bon, concrètement, pour l'instant, il est pas mal. Voilà, voir la durée de vie, si les missions vont être un petit peu différentes, si les ennemis vont être un peu différents. Ce genre de choses. Voilà, que dire de plus, ça m'a plu. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, honnêtement. À partir de là, on va faire un X pour entrer dans le menu. Enfin, dans le menu. Dans les trucs à racheter. Et oui, là, je l'ai débloqué la lettre A. Lettre M, je l'ai raté normalement dans la première mission. Donc, je suis censé peut-être débloquer le premier avion à la 6ème mission. Alors, de là à dire qu'il y a 6. Plus 5, plus 5, plus 6, plus autant dire 40 missions, j'en doute. Peut-être qu'il y a 2 lettres par mission, 3 lettres à la fin. Ça me paraît un peu long. Mais voilà, il y a de quoi faire. En tout cas, le jeu n'a pas l'air trop vite, donc c'est plutôt bien. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était donc Snoopy versus The Red Baron, qui d'ailleurs apparemment est une musique. Hein. Si vous tapez Snoopy versus The Red Baron, vous allez avoir... D'ailleurs, il y a même... Snoopy versus Oussama. C'est la page Wikipédia, hein, je ne sais pas du tout pourquoi il y a ça. Mais bon, voilà. Donc si vous êtes intéressé, bah écoutez, lancez-vous. C'est une bonne soirée, une bonne journée, et à la prochaine. Ciao tout le monde!